la fête. Ouvrir les yeux, faire de son mieux. Ça vaut le coup de se donner la peine. Pour la peine. Parler, parler. Et aller chanter, chanter. Et venez danser, danser. Moi j'ai bien d'autres choses à penser. Marcher, marcher. Vous êtes prêts pour dans deux minutes? D'accord, bah dans deux minutes. Deux minutes. S'en fiche, ouvrir les bras, faire ce qu'on doit. Ça vaut le coup de se donner la peine. Pour la peine. Blondin, j'ai beaucoup de blondin. Et allez chanter, chanter. Et venez danser, danser. Moi j'ai bien d'autres choses à penser. Marcher, marcher. Et aller rire et jouer. Vous pouvez filmer, rêver. Car moi j'ai une minute. Parler et aller chanter, chanter. Et venez danser, danser. Moi j'ai bien d'autres choses à penser. Marcher, marcher. Et aller jouer. Vous pouvez filmer, rêver. Car moi j'ai tout un monde à faire. Pour parler, parler. Et aller chanter, chanter. Et venez danser, danser. Comédie musicale Robin des Bois avec Nicolas Liliou. Ouvert. 31e foire du livre de Brive, Christophe Tasté. À 11h30, on retrouve Christophe avec vos invités pour cette foire du livre. Oui, Julien, et nous sommes à présent avec Jean-Loup Chifflet, auteur du dictionnaire Amoureux de l'humour aux éditions Plomb. Un livre réjouissant, voire jouissif. Je n'oserais dire coruscant, donc je dis brillant, plein de découvertes et drôlissime. Mais alors quel boulot pour faire un dictionnaire de l'humour? Comment s'y prendre? Oui, c'est vrai que d'abord je suis très heureux d'avoir été sollicité pour aller dans cette collection prestigieuse. Je crois que je suis le 70e dictionnaire amoureux et l'éditeur avait attendu longtemps pour... trouver quelqu'un pour faire un dictionnaire amoureux de l'humour, parce que l'humour, c'est quelque chose d'indéfinissable. Oui. Alors, j'ai choisi 300 humoristes que j'aime, donc c'est le principe d'un dictionnaire amoureux. On ne parle pas des gens qu'on n'aime pas, et je ne les citerai pas, sauf si vous me faites des suggestions. Bah, c'est-à-dire, moi, j'ai très vite remarqué que, parce que je sais votre amour des mots, et donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui est susceptible de ne pas y être, et il n'y est pas, c'est Jean-Marie Bigard. Oui. Et Jean-Marie Bigard, si tu nous entends, tu n'y es pas parce que j'aime pas Bigard. C'est pas tout à fait mon type d'humour. J'ai privilégié l'humour langagier, j'ai privilégié des écrivains, et ça va aussi bien de Voltaire à Coluche, des proches, des régionaux de l'étape. Je pense à mon camarade Duneton, qui est mort en mars dernier. Je lui consacre un grand article parce que c'était un formidable bonhomme, un Corrézien qui avait de l'humour, et c'est un pléonasme parce que les Corréziens ont beaucoup d'humour.
Voilà, donc je suis très heureux c'est mon 60e bouquin, mais c'est le livre de ma vie. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a un humour français? Je pense par exemple au calembour. Moi, ça me semble très français. Le calembour, c'est par exemple une secrète horreur me glace au chocolat. Voilà. Ou l'amour tarde à Dijon. Voilà. Oui, alors oui, c'est très français, bien que ça soit, comme son nom l'indique, calembour, c'est d'origine allemande, hein, mais vous avez des grands calembourgeois comme le camarade Patrice Delbourg, par exemple, dont je parle beaucoup dans ce livre, ou Alphonse Allais, qui est aussi très présent dans ce livre. Il a été beaucoup copié, on l'appelait la vache Allais, d'ailleurs, ou comme dit Delbourg, mon pote Allais. Voilà, on rit beaucoup dans ce bouquin, c'est le but de l'opération, et il marche bien puisqu'on l'a déjà réimprimé après 15 jours. Alors parmi les personnes qui m'intéressaient, là où je suis allé voir Antoine Blondin pour son côté Tour de France, bien entendu. Blondin, c'était un... Juste une chose, pour son amour à lui du goulot, il y avait un journaliste qui n'avait pas hésité à Jean-Claude Lamy. Le jour de son enterrement, même l'église était bourrée. Formidable. C'était un journaliste de François qui existe toujours. Qui adorait Blondin et qui disait même l'église était bourrée. Il faut dire que Blondin, quand il arrivait dans son café préféré à Paris pour écrire, qui s'appelait le Bar Bac, il disait tout est litre et rature et maintenant au goulot. Voilà. Donc il faut avoir de l'esprit un peu pour avoir de l'humour. Oui, mais vous savez, oui, il faut avoir de l'esprit, mais il faut être excessivement angoissé. Je parle beaucoup de des proches, de mon ami Jean-Louis Fournier. Tous les grands humoristes se sont suicidés, ou presque, et moi-même, je ne me sens pas très bien. Restez avec nous, gentiment. Laissez les mains sur la table pour plus voir ce que vous faites. Il y a aussi des inconnus dans ce dictionnaire, oui. Des gens que je ne connais pas du tout. Plonk et Replonk. Ah. Alors que je raconte un petit peu, ils ont fait une carte postale qui représente le soldat inconnu posant sous l'Arc de Triomphe avec sa femme et leurs 5 enfants. Voilà, la veuve du soldat inconnu. À la veuve du soldat inconnu. Ce sont deux jeunes Suisses. Qui font un malheur. Leur truc, c'est des cartes postales détournées. Et c'est excessivement drôle. Maintenant, ils commencent à être de plus en plus connus. Voilà, c'est un très bon exemple d'inconnus que moi-même, je connaissais mal, que j'ai voulu mettre dans ce dictionnaire. Je pense à un autre bonhomme qui s'appelait André Frédéric. Et c'est mon ami Fournier qui m'a dit qu'il faut absolument le mettre. Je ne savais pas qui c'était. Mais quand j'ai découvert qu'il avait eu cette phrase extraordinaire, il avait dit « Nul n'est censé ignorer l'origine crapuleuse du chant grégorien », j'ai dit « Voilà un type qui avait vraiment de l'humour ». Et il s'est suicidé, bien sûr. Parmi les amis qui sont encore là de nos jours et qui nous font toujours hurler de rire dans leur manière de jouer avec la langue française, il y a votre ami François Rollin, professeur. François Rollin, bien sûr, qui est très cité. Et puisqu'on parle des François, un grand ami à moi aussi, c'est François Morel. Oui. Et François Rollin, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Voilà, c'est pas du copinage, c'est vraiment des gens pour lesquels... Non. Et puis, il y a des gens qui sont dans ce dictionnaire et qui sont là aujourd'hui. Je pense à mon ami Cabu, Volinsky aussi, qui doit être là bientôt, je crois. Voilà, et puis, c'est un livre réjouissant que je conseille à tout le monde à offrir à son beau-frère, sa belle-sœur, plutôt que les selles de bain classiques pour les fêtes de Noël. Oui. Pour en terminer, c'est un panthéon que l'on retrouve oui. dans les 50 dernières pages. Alors ça, je me suis fait un petit plus. Les 50 dernières pages, c'est un florilège des mots qui m'ont le plus amusé. Alors, au hasard des rencontres. Alors, j'ai la citation la plus drôle pour moi, c'est un monsieur qui s'appelait George Burns, qui est mort à 100 ans, je l'avais rencontré aux États-Unis, qui était un peu le Raymond DeVos américain. Et à 98 ans, il disait « Vous savez, je suis très très vieux, la preuve c'est que quand j'étais petit, la mère morte n'était que malade. » Et moi, j'aurais donné 10 ans de ma vie pour la trouver, celle-ci. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci Chiffé. À vous. Ce dictionnaire amoureux de l'humour est à retrouver aux éditions Plon, et on n'arrête pas de se marrer en le lisant. Merci beaucoup.